Donc, on a remis Temtem, les gars. Aujourd'hui, ça va être du Temtem, hein. Je pense que vous l'avez bien compris. Parce qu'on va continuer notre chasse aux abonnés. Parce que là, c'est pas la chasse aux Pokémon ou aux Temtem, hein, c'est la chasse aux abonnés. Les Temtem capturés auront vos pseudos. Donc, on a déjà une équipe assez bien fournie. Donc là, on est parti. On va aller capturer. On va se battre. Ouais, c'est quoi ça? Il y en a dans des rares. J'aimerais bien du nouveau, en fait. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas capturé de nouveautés. J'ai toujours les mêmes merdes qui tournent, des pharaons, des trucs comme ça. 2 contre 1, c'est la garde Sevran ce jeu. Ah ouais, par contre, c'est ça, hein, c'est des 2 contre 1, 2 contre 2. C'est totalement peu équitable. Hey, toi, viens prendre ta raclée. D'accord, très bien, très bien, très bien. Les dialogues, ils sont ridicules par contre, les dialogues du jeu. C'est très faible. Moi, le seul truc que j'aime bien, c'est les couleurs. Je trouve que le jeu, il est beau. Bourrasque, dommage 90, une terrible rafale capable de faire dévier de sa trajectoire un petit dirigeable. On va enlever Aérolame. On va voir Bourrasque, la puissance du truc. Ok, d'accord, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très très mal, là, cette fameuse Bourrasque. Ah, ça, on n'a pas, ça. Ça, il me semble qu'on n'a pas capturé. Bah voilà. El Matador, il est pour nous! El Matador qui rejoint l'équipe. Renommé. El. Merde. El Matador. Oh! C'est la merde. Je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre. Faut que j'en capture un, ça me fera moins de dégâts encaissés. Allez, allez! Oui! On l'a eu. Quoi? Mais non, mais... Assassin! Let's go, on a Ganki, c'est bon. Renommé. Donc, c'est... On a dit Alex. Voilà, bang, on en a un, c'est bon, parfait. Non, franchement, le truc, c'est que lui, il a c'est un type foudre. Et c'est intéressant, j'ai pas de type foudre. Lui, il a un type rien, mon frère. T'es moi, détail. Il a un type nature. Drakarino, t'as un type nature. T'es naze. Mais wesh, c'est quoi ça? Je crois qu'il faut que je level up avant de le faire ce combat. Putain, le crack bit 2. Allez, Alex Biggs, ça va être ton premier combat là. T'as pas le droit à l'erreur, mon pote. Ça l'affecte pas, je crois, comme si un poulpe chelou, tac. Nickel. Faut que je fasse un gros leveling parce que je meurs énormément, je trouve, dans le jeu là. Tu meurs pas autant dans Pokémon. Tu meurs même pas dans Pokémon déjà. Genre pour one shotter un truc, je crois, faut avoir au moins 15 niveaux d'écart. C'est fou ça. J'ai besoin d'avoir un Temtem à mon nom, Fat. Il va te ramener des grosses folles. Et bah, comme par hasard, celui-là, je l'ai pas. Donc, voilà, Xeno, t'arrives pile au bon moment. Renommé. Alors, on a dit Xeno. LK. Bon, je vais mettre Xeno. On sait que c'est toi. Parce que ce qui est relou, c'est Xeno LK sans les majuscules, ça fait moche. Au monstre qui, bien évidemment, va se faire péter la gueule pour ne pas changer. Et pareil pour Younes. Eh, franchement, les deux petits bolos là qui me servent de main, faut qu'ils arrêtent. Il va falloir arrêter les deux bolos. Quoi? Il évolue. Et merci, est le premier qui va évoluer. Mais c'est magnifique ce qui vient de se passer. Donc l'évolution, ça se passe en plein combat. C'est pas genre à la fin du combat, c'est cash quoi. C'est comment dirais-je, c'est assez étonnant, je veux dire. Alex Biggie rêvons plus grand. Dream Bigger. Dream Bigger with Alex Biggie. Alex Biggie, t'as deux doigts du chaos là, mais tant mieux, Alex Biggie s'est vengé derrière. Mais il m'a vu d'où lui? Oh là là là, bon, j'ai perdu. Vous voulez mettre mon truc de up? Bah je vais perdre. Je vais me faire rétamer la gueule.
Il nous reste que Alex Biggie dans l'équipe. Et c'est la merde. Let's go, hop. Ouh là, c'est jaune, ça veut dire que ça va lui faire très beaucoup de dégâts normalement. Griffé, putain. Oh, parfait, parfait. Parfait, on a résisté. Normalement, c'est bon là. Normalement, c'est bon là. Je dis bien normalement. Électro-rayon, griffé, bam. Oh, putain. Alex Biggie, c'est maintenant ou jamais. Alex Biggie, c'est maintenant ou jamais. Alex Biggie, finis-le! Oh là là, monstrueux. Monstrueux, Alex Biggie. Bonjour madame, je m'appelle Fatma. Je suis ravi de te rencontrer, Fatma. Tu es vraiment une charmante petite fille. Je suis un garçon, hein! Pourquoi est-il fermé? La maîtresse de jeu ne va nous attendre sur toi. A vrai dire, elle ne m'a pas si longtemps que ça. D'habitude, je commence un peu à inquiéter. Oui, Sophia, elle a dit qu'elle avait l'intention d'aller capturer des Temten du côté du. Elle a emporté son surf, mais. Quand sera-t-elle de retour? Je n'ai aucune idée. Je vais trouver Sophia. Vous ferez ça, collègue dresseur? Mais je n'ai pas de planche. Vous pouvez. Partez vers le nord. Très bien. Très bien, très bien. En plus, c'est. Je pense qu'elle, comme il y a des délires de surf, tout ça, d'eau, je pense que là, on va être sur des temtem d'eau. Donc, qui dit temtem d'eau, dit électricité pour lui défoncer sa gueule. Alex Biggie, tu intègres donc le 11, désormais. C'est moi. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue à Arizona. Situé au sommet de la colline des coffées, voici Arizona. Sa plus ancienne description fut couchée sur le papier par la poète antique. Elle a endodécrit la ville comme étant située à mi-chemin entre l'eau et le vent. C'est fascinant, quelle ville. Ce majestueux massif de pierre rouge que vous pouvez voir en zone, ça s'appelle les falaises télassiennes. Ce site descend jusqu'au rivage de la rivière. Le village de Zadar. Une dernière question. Putain, je suis vraiment un guide d'enfer. Vous avez reçu un parapluie réduit de 20% les dégâts reçus des techniques eau. Ouais, super. Portez-le avec fierté, Fatmat. Voilà, c'est donc terminé pour ce nouveau combat de Temtem qui marque, je pense, la fin de ce deuxième épisode. Du coup, pour ceux qui vont regarder la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille. A tout le monde, c'était Fatmat91HD, je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous et que les Temtem soient avec vous. Continuez de chasser vos abonnés.